Aujourd'hui, je te recommande un podcast de critique de films et de livres. Ça s'appelle La gêne occasionnée et c'est mené par le critique de cinéma de métier François Bégodeau, qui est aussi écrivain, scénariste, et qui nous donne voilà son analyse vraiment fouillée. Et ça dure, les épisodes font quelque chose comme une heure. Sur des films à l'affiche, sur des livres qui viennent de sortir. Moi, j'en ai pas écouté beaucoup parce que j'ai écouté que les films que j'ai vus ou les livres que j'ai lus, mais voilà, ça se résume à pas grand-chose. Il y a notamment Portrait de la jeune fille en feu, Drunk, 1917, Le garçon et le héron, et donc plein d'autres films. La critique, je trouve, est assez intéressante, même si parfois je suis pas du tout d'accord, mais en tout cas, ça fait vraiment réfléchir. Changer parfois notre regard, la façon dont on apprécie une œuvre ou pas. Donc allez-y, il y a une soixantaine d'épisodes au moins, il y a de quoi faire, il y a différents genres bien sûr de films et de bouquins. La gêne occasionnée, et moi je vous dis à demain. Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 62 de La gêne occasionnée. On s'est quitté sur une hésitation, on est resté zen. Et puis voilà, Miyazaki s'est imposé. Bah comme d'habitude, t'as imposé ta loi. Mais dans notre couple, c'est quand même souvent ça. Il y a un dominant à dominer et on voit très bien qui est le dominant. Donc je me suis rallié. Bah il se trouve que j'ai vu le film et je me suis dit il avait raison en fait. Ça mérite quand même qu'on s'y attarde.